Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, malgré le froid ambiant, je vous amène de la chaleur italienne avec cette magnifique Giulia en millésime 2023-2024 qui est proposée ici dans une, à l'essai dans une motorisation 2 litres de diesel. On va en reparler. Mais bon, déjà, vous pouvez constater que cette ligne indémodable, ce trait de crayon, ce dynamisme propre à la marque Alfa, nous, personnellement, on adore. On va vous montrer un petit peu, plus en détail cette magnifique Giulia. Avant de disparaître du catalogue et de laisser la marque Obition devenir exclusivement électrique d'ici 2027, l'Alfa Romeo Giulia a le droit à une dernière considération de la part de ses créateurs, de quoi lui assurer une sortie de scène, je pense, digne, nostalgique et surtout méritée. Si la précédente remise à niveau effectuée en 2020 était quasiment imperceptible à l'extérieur, en se focalisant surtout sur la qualité perçue à bord, cette fois c'est différent. Ce millésime 2023 se caractérise surtout par une face avant qui a été complètement remodelée, et plus précisément, on remarque par l'apparition des nouveaux optiques en 3+3, inspirés par ceux du Tonal. Il rappelle aussi plusieurs modèles emblématiques de la marque, à l'instar de la SZ Zagato, bien sûr, qui avait été lancée en 1989 et qui est une magnifique réalisation. Ils sont bien entendu en série et obtiennent la technologie Full LED à éclairage matriciel et qu'on retrouve sur toute la gamme Giulia. Alors au-delà de la face avant qui évolue, on pointera aussi l'apparition des nouveaux feux à l'arrière. Il s'expose dorénavant sous une glace lisse, transparente. C'est la principale différence avec le restylage du Stelvio 2023 que nous avons vu précédemment sur un essai sur GT Passion, qui lui préfère opter pour des feux arrière qui étaient légèrement fumés. Pour le reste, la Giulia reste fidèle à elle-même, avec des lignes pures, des proportions sportives, un gabarit qui lui assure une répartition optimale des masses, quasiment en 50-50, mais forcément qui nuit aussi un peu à ses aspects pratiques, avec une habitabilité arrière moyenne et un coffre qui est très très peu modulable. À l'intérieur, la qualité perçue de l'habitacle, qui avait déjà progressé dans le bon sens en 2020, évolue encore sur ce millésime avec l'apparition d'une instrumentation digitale qui remplace l'analogique avec un écran de 12,3 pouces. Ce qu'on aime justement quand on est au volant d'une Alfa Romeo, c'est le style héritage qui s'inspire des modèles emblématiques des années 60 et 70. Et ça reste une expérience assez sympa, comme le détail distinctif des chiffres inversés à l'extrémité des compteurs, les fameuses jantes téléphonaux, tous ces éléments qui offrent une expérience et qui nous replonge dans l'historique de cette marque Obition. Alors autre évolution et pas des moindres avec ce millésime pour la Giulia, c'est l'ajout d'un certificat NFT, Non Fungible Token, c'est-à-dire un registre numérique crypté et non modifiable où sont enregistrées les principales informations de chaque voiture,
le kilométrage, l'entretien, etc. C'est donc un dispositif qui est destiné à soutenir la valeur résiduelle d'un véhicule en rassurant les acheteurs lors de l'arrivée du modèle sur le marché de l'occasion. Donc c'est une traçabilité complète du véhicule qui est plutôt réconfortante. Alors ici nous avions à l'essai le 2 litres 2 turbo diesel de 160 chevaux en deux roues motrices, propulsion bien entendu. Mais Alfa Romeo, et c'est étonnant, hein, conserve trois moteurs au catalogue. Donc ce modèle que nous essayons, hein, qui est donc le 2 litres 2 turbo diesel, en 160 et en 210 chevaux. Et puis le 2 litres turbo 280 chevaux en quatre roues motrices. En tout cas, donc avec une boîte auto à 8 rapports qui est offerte en série. Alors, cette nouvelle Giulia est proposée au catalogue à partir de 45 750 euros. Pour ce tarif, on repart au volant d'une finition sprint avec un bloc diesel de 160 chevaux. Et à l'autre extrémité du catalogue, il faut le tabler sur un prix qui avoisine les 64 750 pour une Competition turbo-essence de 280 chevaux à 4 roues motrices. Cette Alfa Romeo Giulia en millésime donc 2023-2024 se profile donc, vous l'avez compris, comme la dernière vraie Alfa Romeo de l'ère des motorisations thermiques. Un regret, un argument qui malgré tout devrait suffire pour convaincre les puristes et gommer ces quelques défauts finalement anecdotiques hein, quand on au regard de l'agrément dynamique qu'offre cette voiture, de la sympathie qu'elle dégage et de ses courbes qui sont magnifiques. Alors écoutez, j'espère que cette présentation de cette nouvelle Giulia dans cette couleur et cette livrée rouge alpha vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, c'est très important pour nous. Et puis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao !